Je suis Grégoire Morel, je dirige la société Derbigom, entreprise familiale belge spécialisée dans le domaine de l'étanchéité de toitures plates, pionnier en matière d'économie circulaire. Nous vivons dans une économie de plus en plus pauvre en ressources. Derbigom investit depuis plus de 30 ans dans l'utilisation parcimonieuse de ressources, en développant notamment des programmes de recyclage de bitume pour les réintégrer dans la fabrication de nouveaux produits d'étanchéité. Nous avons développé un savoir-faire unique dans ce domaine qui nous permet évidemment de retraiter nos chutes de fabrication, mais également de collecter les chutes de pose de nos étancheurs sur un certain nombre de marchés et d'intégrer dans nos processus de fabrication des membranes bitumineuses en fin de vie dans le cadre de la démolition ou de rénovation de bâtiments. Cela nous permet d'économiser des quantités très significatives de matières vierges, de matières bitumineuses, et d'avoir ainsi un impact extrêmement significatif en matière d'épuisement de ressources, mais également en matière d'empreinte CO2 des produits que nous mettons sur le marché. Depuis le lancement de notre programme de recyclage de matières bitumineuses, nous avons économisé plus de 30 000 tonnes de bitume vierge, ce qui correspond aussi à une économie en matière de CO2 de plus de 15 000 tonnes. Les produits que nous fabriquons, la gamme Derbigom NT, ont un impact écologique significativement amélioré par rapport aux produits de la concurrence. Le monde de la construction est de plus en plus conscient de la nécessité de construire durable et recherche des solutions pratiques, concrètes, avec un impact mesurable des choix de technologie qu'ils font. En favorisant les produits Derbigom, nos clients et leurs partenaires ont l'opportunité d'avoir un impact positif réel, concret, mesurable sur l'avenir de notre planète.